panis son. Parce que on n'a pas encore mis de son. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de son. Bonsoir Anthony Monroz. Bonsoir Alain Valin. Welcome to Kai Sport. Vous êtes avec Gaël de Kai Sport. Et on a Nicolas qui est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Bienvenue en direct de Caribe Sport pour assister à ce grand match du week-end de la poule A opposant la solidarité scolaire qui va recevoir à Bemao la Gauloise de Basse-Terre. Et donc, petit retard ici. Match initialement prévu à 20h30 et qui risque de démarrer dans quelques minutes, donc avec une dizaine de minutes de retard. Donc on va vous annoncer d'ici peu de temps les compositions. Donc en attendant un peu les compositions, donc comme on vous avait dit la dernière fois, on va aussi vous parler un peu du championnat martiniquais. Donc pour l'instant, le championnat martiniquais est toujours sa première phase. Et dans la poule A, en termes de classement, à l'heure d'aujourd'hui, on a le Golden Lion qui est premier avec 20 points, la Samaritaine qui est deuxième, 17 points, US Robert 14e, US Robert 14 points, Lasso 4e 11 points, Gold Star 5e 10 points, Crenel 6e 9 points, et RC Saint-Joseph 7e 8 points, et Eugene Monroe 8e 7 points. Donc on peut voir que les gros noms, donc on va dire Golden Lion, Samaritaine, US Robert, sont en tête de liste. Ils ont déjà effectué 5 matchs. Dans la poule A. Concernant la poule B, qui est une poule de 8 équipes, classement premier, le club franciscain, 17 points, en goal à virage, premier en goal à virage avec 15 buts de différence. On a club colonial qui est deuxième avec 17 points, l'Échoppe Préchotin, troisième, 17 points, l'Aiglon qui est quatrième, 15 points, RC Lorrain, cinquième, 11 points, RC Riviera 6e 9 points, New Star 7e 8 points et Olympique 5e. Concernant la Coupe de France, si mes infos sont bonnes, la Samaritaine l'a remporté contre le Golden Lion. Je pense que ça s'est joué il y a deux soirs de ça, sur le score de 2 à 0. Bonsoir Malissa, qu'est-ce que je fais là? C'est une bonne question. Je me suis dit que je vais venir parce que tu as souvent demandé pour moi et je ne pouvais pas me permettre d'être absent pour une troisième fois. Donc j'ai fait nécessaire pour venir. Malissa qui passe le bonsoir aussi à Nicolas. Bonsoir Malissa. Donc continuez à vous connecter. Comme vous êtes en train de voir, les joueurs sont en train de se préparer pour le match. Quelques minutes de retard. Entendez pas, vous avez du mal, il y a quelque chose qui fonctionne pas, il n'y a pas de son, il n'y a pas. N'hésitez pas. Parce que c'est ça chez Caribe Sport. Tout est bon à prendre. Et sur ça, bonsoir. Margot, bonsoir. Donc au cas où si on a ils commencent à effectuer leur. Vous
êtes en ce moment à 50 quantités. Donc on vous rappelle, vous êtes en train, vous allez vivre le match 100% local de Caraïde Sport, localement fier, avec Gaël et Nicolas. Match qui oppose la solidarité contre eux. Ça va être votre ce soir, donc accrochez-vous. J'espère que vous avez votre écharpe. Les esprits se réveillent. T'as la patte ni bon vent. Il n'y avait pas de vent il y a 5 minutes de ça. Les joueurs en dessous du terrain sentent de la pression tout de suite. On aurait dit qu'on est en train de regarder un match avec Dragon Ball Z, à l'époque de Dragon Ball Z. Et voilà, le vent a disparu. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager, comme d'habitude, sur vos groupes WhatsApp, sur vos groupes Facebook, sur tous les groupes, sur tous les réseaux. Imaginable et inimaginable. Donc, comme Nicolas l'a mentionné, on va vous donner la composition d'équipe. On est en train d'examiner les positions. C'est parti. Donc, voilà, la SS qui commence avec son jeu de possession. Ils essaient de prendre la température de l'équipe qu'ils ont en face d'eux et ils se temporisent. Et voilà, premier ballon en profondeur, une transversale du numéro 10 de SS. Et voilà qu'on a Merval qui a récupéré le ballon. Passement de jambe. Va essayer d'éliminer les joueurs. Il se retrouve à deux contre les joueurs de la Gauloise. C'est la Gauloise qui récupère. Et c'est l'arbitre qui joue l'avantage. Fortuné. Sur la Gauloise. Vouteau. Ils éliminent deux joueurs. Mais par contre, une mauvaise passe à l'arrivée. Et attention, et voilà la faute. Première faute de la rencontre. Zoom, histoire de tester le zoom. Bah. Donc attention, et bonne récupération et contrée. Je ne sais pas si vous entendez les joueurs, mais ils ont mentionné eux qu'il y a du vent, de faire attention pour avoir un impact sur les passes longues. Donc rebonsoir hein, à tout le monde. Comme Gaël l'a dit, il va être l'heure au bout de 2 minutes d'annoncer les compositions d'équipe. Donc pour la solidarité scolaire qui jouera en blanc ce soir. Donc dans les buts, Gaël, ça sera Bonnardet et on peut tout de suite parler de ça avec la sortie de Bichara qui était titulaire dernièrement, notamment lors du match de Coupe de France et qui on reviendra après, qui a été mis sur le banc ce soir. Donc Bonnardet dans les buts. Cellini, arrière-droit. En défense centrale, ce sera Linon, Romain et Thomas Pinault, qui d'habitude évolue plus sur un poste d'arrière-gauche. Et donc justement, sur ce poste d'arrière-gauche, ce sera le jeune Marie-Joseph, au milieu de terrain, l'expérimenté capitaine qui a le ballon actuellement, Salazar, avec lui Saint-Maximin, auteur du pénalty en Coupe de France. Ce mardi, devant avec le numéro 15, Damasagis,
Sur les côtés, Yaron Atlan en numéro 5, numéro 13, Christopher Cancel et le retour de l'homme providentiel Raphaël Mirval. Voilà, qui était tout comme Thomas Gaïdou, suspendu ce mardi. Raphaël Mirval à la pointe de l'attaque. De l'autre côté, la Gauloise de Basse-Terre, pour les joueurs de Jean-Yves Dimont, Fred Téjou en 1, Renia Réabro en numéro 4, Gustavi Duflo en 2, Kouamé en 5, donc Gustavi Duflo qui va jouer en défense centrale, Michi le capitaine arrière-gauche numéro 6, Verdol accompagnera Casimir au milieu de terrain, Olivier sur un milieu offensif, Rudy Vuto côté droit, Wendy Fortuné avec le numéro 7 côté gauche et son frère en numéro 9, Kenny Fortuné. Voilà pour les compositions d'équipe. Et on n'a pas encore mentionné le trio arbitral ce soir qui sera composé de Monsieur Antoine au centre et de ses assistants Monsieur Marcin et Monsieur Mathiasin. Voilà Gaël pour les personnes, les joueurs et les arbitres qui démarrent ce match. Merci beaucoup Nicolas. Et donc comme vous pouvez le voir, les deux équipes commencent à tester au niveau tactique et au niveau technique. On voit que la SS pour l'instant essaie de faire un jeu de possession. La Gauloise essaie de casser ce jeu de possession avec un jeu rapide. Mais bon, conséquence, c'est qu'on peut avoir des déchets en sachant qu'on est sur un terrain assez humide, voire même mouillé, Nicolas. Attention. Et attention. Attention, commence à monter, Moison. C'est Lazare qui a le ballon avec Thomas Pinot, le gaucher, qui essaye de trouver Yaron Atlan. Milieu d'un massagiste pour Raphaël Mirval qui perd la possession du ballon. Voilà. Attention, bon ballon pour Fortuné qui finit vite. Et il est bien pris par Thomas Pinot. Maîtrise pour la solidarité scolaire. Christian Salazar, numéro 10. Bonsoir à toi, Raymond. Bon ballon. Attention à cette balle. Mirval, qui est pris. Que va-t-il faire? Position de hors-jeu. On va en profiter, Gaël. Hein. Cet arrêt de jeu et replacer le match dans le contexte. Quatrième journée hein, de championnat. Troisième match, c'est pour la Gauloise. La Gauloise qui a gagné ces deux matchs. Et la SS qui, pour le coup, joue son quatrième match. Avec deux victoires et une défaite. Donc au classement, l'ASS est deuxième, à égalité avec la Juventus et la Gauloise pardon, est quatrième avec 8 points, mais un match en moins. Donc ça veut dire, Gaël, que le vainqueur de ce soir sera en tête de son opposant. Voilà, et sera en tête de la poule A. Donc c'est très intéressant pour mettre la pression. Attention, vous connaissez, attention, l'arbitre. Et la récitation, c'est 6 mètres. Bonsoir Raymond, bienvenue à toi encore une fois. Bonsoir Marcel, bienvenue sur le direct de Carré Sport avec Gaël de Carré Sport et Nicolas. Donc vous êtes en train de vivre ce match avec nous, 100% local, 100% localement fier. Deux belles équipes, deux belles formations. Yaron Atlan, Christian Salazar, Marie-Joseph, Thomas Pinot, conservation hein, pour la solidarité attention scolaire. À cette balle. Et attention à cette balle en profondeur, elle va-t-il faire la différence? Et c'est le... Quel arrêt de Fred Téjou. Quel arrêt de... Christopher Cancel hein, qui frappe Gaël. Et quel arrêt. Et ça fait déjà deux fois, Gaël, tout à l'heure c'était hors-jeu, mais que Christian Salazar, le numéro 10 de la solidarité scolaire, qui décide de jouer long, qui met à mal cette défense de la Gauloise. Et oui, au début, je me suis dit, est-ce que le numéro 10 allait être un peu lourd pour lui? Mais sur ces deux occasions, il a su montrer
qu'il est prêt à prendre le défi et ça reste une pièce maîtresse de cette formation. Et attention, et encore un autre corner, donc deuxième corner de la rencontre. Bonsoir François Xavier Sapor, attention, c'est pas fini, le centre, qui a la réception? Et c'est Wendy. Wendy, une couverture et ça va être un corner. Ok. Corner, 6 mètres, corner, 6 mètres. Et c'est un corner. Et attention. De la Golos qui se plaignent. Et donc la SS qui met la pression. 8 minutes de jeu. Donc bonsoir François Xavier, super les moyens mis en place pour diffuser ce match. Donc merci pour le message. Daniel Bert, bonsoir. Eh bien oui, hein, avec deux belles formations qui ont envie de jouer le jeu du nom de la Gauloise et de la SS. On espère avoir un match à la hauteur de la Régionale 1 et qui vont vous montrer les différentes phases de jeu au niveau technique et tactique. Et attention, nous sommes déjà au troisième corner de la rencontre. Il va-t-il remettre dans le paquet? Petite hésitation. Et attention, numéro 15 de pénétration. Et c'est récupéré par le capitaine. Belle sortie défensive du capitaine. Et va-t-il se retourner? C'est pas fini. Et le ballon va au 6 mètres. Et donc Fred Téjou au 6 mètres. Et qui a tout à l'heure, à la 8e minute, Fred réalisé un magnifique arrêt face à Cancel. Et je pense que si la Gauloise veut réaliser un résultat ce soir, elle va devoir compter sur un grand Fred Téjou. Voilà. Petit sifflet de Monsieur Antoine, faute sur le numéro 10, Didier Serin. Bonsoir Christian Mathurin. Et attention. Et je ne l'ai pas précisé hein, dans les compositions d'équipe. Pour la Gauloise, important de rappeler les absences hein, de deux joueurs importants qui sont suspendus ce soir. Torrent en défense centrale et Breslau au milieu de terrain, des joueurs que j'avais vu évoluer titulaire en Coupe de France à Saint-Prose face à l'USR. Et donc voilà, ballon dans les pieds du gardien Bonnardet qui un bon coup à jouer. Voilà, en profitant de l'absence de Bichara pour montrer, est-il la personne, attention à cette balle. C'est pas terminé. Oh, très beau contrôle. Romain Linon. Salazar. Saint-Maximin. Ça joue bien. Hein, ouais. La SS Gaël. Ça arrive à garder une possession. Pour l'instant, une possession. Salazar, attention. Attention. Et c'est un bon ballon pour Raphaël Gabal. Et c'est pénalty. Et c'est le pénalty. Et c'est. C'est un moment important hein, du match. C'est un pénalty ou pas? Oui, il y a pénalty. Raphaël Mirval qui est déséquilibré dans la surface. Il y a une petite hésitation. On a cru, hein, Gaël, qu'il allait éliminer Fred Téjou, qu'il allait pouvoir marquer. Et finalement, le ballon part un peu trop loin et il tombe. Et l'arbitre qui, après hésitation, attention, l'arbitre est près de Fred Téjou. Il est confident. Un carton, il y a une discussion, que se passe-t-il? Attention. Donc, c'est un moment important. Il a pris la balle, il est confiant, Mr. Mirval. Mais attention. Raph Mirval face à Fred Téjou, ils se connaissent. Yes, deux joueurs de la sélection, ils ont l'habitude de faire des séances de pénalty. Donc... Et Raphaël Mirval, s'il marque, il prendra
la tête du classement des buteurs. Mais c'est loin d'être fait. C'est loin. Frappe tes joues. Attention. Donnez-nous vos pronostics sur. But, pas but. A-t-il déjà choisi. Gaël, ton pronostic. Je pense que Merval va en puissance. Mais il faut aller en puissance contre Tejou, mais le terrain glisse. Et attention, le terrain est un peu mouillé. Et c'est pas terminé. Ah là là, Tejou abattu. Et oui, il fait le plus dur. Il repousse le pénalty de Raphaël Merval. Et les joueurs. Ah, peut-être qu'il est blessé, je ne sais pas ce qui se passe, il est allongé, il n'a pas l'air bien. Pénalty en deux temps pour Raphaël Merval, 1-0 SS. Et j'ai entendu le cri, il a crié, je ne sais pas si c'était un cri d'énervement ou si c'était un cri. Ah non, c'est de la frustration. Ouais. Et qu'est-ce que c'est énervant quand on est gardien de but comme ça, qu'on réalise l'exploit, parce que c'est toujours un exploit d'arrêter un pénalty. Et malheureusement qu'on voit sa défense passive. L'exploit de Fred Tejou, qui ne. Malheureusement pour la Gauloise, qui n'empêche pas, sur un deuxième temps, Raphaël Merval, Gaël, de marquer son pénalty. À la 13e minute, disons 13-30 à peu près. Donc, bienvenue à tous, tous les gens qui se sont connectés. Nous sommes en direct avec plus de 114 connectés en ce moment, quel que soit d'où vous venez. Welcome to Carrick Sport. You are here and you're looking at 100% of local football. Parce qu'on a des étrangers aussi qui nous regardent, donc faut pas les oublier. Et attention, je fais un saut dégagement. Ballon dans les pieds de Casimir. Donc oui, concernant petite anecdote concernant les étrangers qui s'intéressent à notre football. Nous recevons beaucoup de messages d'Allemands qui viennent en Guadeloupe et qui veulent absolument regarder des matchs de notre football. Et attention, l'a-t-il touché? Nicolas, l'a-t-il touché ou l'a-t-il pas touché? Pour moi, il y a corps en opposition. Ce serait intéressant de voir, mais je suis pas sûr qu'il y ait. Qu'il y ait contact. Non, je suis pas sûr. Attention, on est en train de regarder à nouveau. Je ne suis pas si sûr. Il y a un Atlant qui est au sol suite à une faute de Olivier Serin. Julian Weld, you see? That's why we're speaking English. I know we have people from everywhere looking at us. So welcome to Carrick Sport. And I hope you're going to enjoy the game tonight. And if you have any question, don't hesitate. Et donc la SS qui se rassure sur ce début de match et qui mène. Mais attention, hein, Gaël, parce que mardi, ils avaient ouvert le score, ils menaient 1-0 aussi sur penalty. Penalty qui avait été tiré par Saint-Maximin. Et ils avaient perdu au final. Attention, il y a une faute. Faute de Wendy Fortuné. Donc comme je vous disais, la petite anecdote, c'est que notre football intéresse l'international. Donc, quels que soient les débats sur le niveau ou pas sur le niveau, les passionnés de foot, quels que soient d'où ils viennent, sont toujours intéressés de venir vivre la culture football d'un pays, de vivre l'ambiance dans l'enceinte d'un stade. Ce sont des expériences que... au-delà des on dit qui n'a pas de prix. Bonsoir à toi, Joël Noyon, toujours présent sur nos directs. Et donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, 17 minutes de jeu, 1-0 pour la solidarité scolaire depuis un but de Raphaël Merval suite à un penalty qu'il avait manqué face à
près de tes joues, mais il a bien suivi. Et là, actuellement, il y a le numéro 3 de la Gauloise, joueur de la sélection, Casimir, qui est en train de se faire soigner. Peut-être une pointe derrière la cuisse. Il a le kiné auprès de lui. Et c'est pas une bonne nouvelle pour la Gauloise, vu l'importance de ce joueur dans cette équipe. Gustave Duflo, qui joue sur Olivier Serin. Et il est contré, il récupère le ballon, bah non, peut-être à l'opposé. Et c'est à nouveau un ballon perdu par Serin. Voilà, le terrain, on sent que le terrain est difficile à jouer. Le ballon qui. Et donc Casimir qui réintègre. On va suivre ses prochaines courses. Malheureusement. Joël, on ne pourra pas te montrer ralenti. La prochaine fois, on va commencer à se former sur ces petits détails. Mais c'est quelque chose auquel nous avons déjà pensé, de pouvoir vous donner les ralentis quand c'est possible. Et voilà, c'est une mauvaise nouvelle. Hein. C'est que Casimir, je pense que c'est terminé pour lui, malheureusement, suite à une passe. Il s'effondre. Et voilà. Bonsoir Lucien Joseph. Bonsoir Roda, qui genre la jeunesse. Jeunesse qui jouera Gaël, si je me trompe pas, demain soir contre la Red Star. Match intéressant encore. Ouais. Jeunesse. Les deux, je pense que c'est les deux premiers de la poule B. Hein. Si je ne me trompe pas, le match a lieu aux Abîmes demain à 20h. Deux équipes qui se sont rencontrées, si ma mémoire est bonne, en Coupe de France. Ouais. Hein, avec une victoire de la Red Star. Ouais, deux équipes, oui. Resta premier au classement, 13 points, 4 matchs joués, 8 buts en goal à virage. Donc Casimir qui sort, donc y aura-t-il des changements dans la formation de cette. Dans l'équipe de Jean-Yves Vladimir. Pour l'instant, ils n'ont pas encore pu vraiment se poser les joueurs de la Gauloise face à une solidarité qui essaie de construire le jeu. Ils essaient de jouer vite, mais la conséquence d'un jeu rapide, on le sait très bien, c'est surtout sur un terrain qui n'a pas l'air très stable, emmène des pertes de balles. Donc c'est quelque chose auquel les joueurs devront penser, analyser et voir comment ils arrivent à se créer des occasions pour revenir au score. Et donc 21e minute, et c'est donc Yann Brissac qui fait sa rentrée, le numéro 14 de la Gauloise, qui fait sa rentrée sur le terrain à la place de Casimir. On prendra de ses nouvelles un peu plus tard en espérant que ça ne soit pas trop grave pour lui. Et donc coup dur pour cette équipe de la Gauloise de Basse-Terre. Attention, bien joué Olivier Serin. Bien joué. Et il y va. Et c'est pas fini. Et c'est but. Et voilà. La Gauloise. Ça part d'Olivier Serin qui trouve le décalage pour Wendy Fortuné qui prend le ballon mais en pleine vitesse. Et il donne pour son frère Kenny et qui trouve la lucarne opposée. Le gardien ne bouge pas. Bonnardet ne peut rien faire. Quelle occasion pour la Gauloise. Et Jean-Yves Vatiment sur le côté qui félicite ses joueurs. Quel but de la Gauloise. Magnifique action. Et le numéro 7 de la solidarité scolaire, Gaël, apparemment, qui lève la main pour s'excuser sur cette action. Et donc, un but partout. Kenny Fortuné, Gaël, qui égalise. Quel but. Et justement, parlons de ce numéro 7 qui est Linon, je pense. Donc, attention, et voilà, va-t-il toucher le ballon?
C'est un peu surprenant de voir Linon à ce poste, en sachant que principalement, moi personnellement, quand moi je l'ai vu jouer, j'ai toujours vu jouer sur les côtés. Et même sur un poste plus offensif. Sur un poste beaucoup plus offensif, que maintenant se retrouver avec la solidarité scolaire, se mettre en défense. Alors, défenseur central. On n'a pas forcément les informations. Les questionnements sont, est-ce que il rejoue là, il joue à ce poste là depuis peu, ou est-ce qu'il y a un problème en défense centrale, Gaël, à la solidarité scolaire, et du coup il dépanne à ce poste là. Ça serait intéressant de se renseigner. Ouais. Ou tout simplement, ça peut être un choix tactique, tout en sachant fait. Qu'ils ont un joueur devant du nom de Fortuné Kenny qui est assez rapide. Donc pour doquer cette rapidité en support avec Pino, ils ont préféré mettre un joueur qui est aussi rapide. Mais bon, on a pu voir qu'il a levé la main. Les automatismes de défenseur central, il ne les a pas forcément eu sur ce but. Et ça paye cash contre une équipe avec des joueurs de qualité. Et comme quoi, le football, Gaël, on ne voyait pas forcément la Gauloise bien dans ce match. On était même inquiets pour eux. Sorti tout à fait. Sorti ouais, Casimir et juste et après, j'ai dit, but j'ai pour dit, la Gauloise. Voilà. C'est ça aussi qui fait la beauté de ce sport. Rien n'est fait, rien jusqu'au bout. Tout peut se passer. Et du coup, la Gauloise qui, on le sent, hein, qui psychologiquement a repris de la confiance, beaucoup de communication, de signes positifs dans les attitudes. On a pu voir aussi une certaine solidarité avec les joueurs. Attention, Mirval qui a récupéré le ballon, il va chercher le pénalty, il va aller chercher la faute et il a décidé d'aller tout seul. Et là on voit, hein, et dès qu'il y a une perte de balle de la Gauloise, ça peut aller très vite de l'autre côté. Là c'est Raphaël Mirval sur une action individuelle. Attention. Et Joël Noyon qui dit que depuis mardi, j'ai dit que cette défense était une passoire. Passoire ou pas passoire, Nicolas? Joël, en tant que journaliste et entraîneur, je ne me permettrai pas d'utiliser ce terme-là. Tu vois, après, il t'appartient. Mais j'ai pas eu l'occasion de voir le match de mardi. J'ai appris qu'ils avaient été pas mal en difficulté. Là, sur le but, j'ai plutôt envie de dire que c'est une très belle action de la Gauloise, bien menée, qui n'a pas forcément de grosses erreurs défensives. Voilà, c'est serein au départ, les frères Fortuné qui ont fait la différence. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Gaël, on peut se questionner sur la présence de Romain Linon derrière. Mais on va voir, il n'y a que 25 minutes de jeu. Et c'est ça, Carisport, partagez vos opinions. Et nous sommes là pour discuter, pour échanger. Chaque personne a le droit d'avoir son opinion. Concernant les buteurs. Alors, on va faire un petit rappel. 13e minute, Raphaël Mirval pour l'ASS. Et la 22e minute, Kenny Fortuné, servi sur un plateau par son frère Wendy. Et je vous invite à revoir ce magnifique but dans la construction de la Gauloise. Et voilà, intervention de Monsieur Antoine. Qui vient de faire son entrée, qui récupère le ballon bien et présent, c'est important pour lui. Et attention. Et c'est Damas Sadis qui part. Il n'a pas perdu, une bonne couverture de balle. Ouais. Et voilà, bien joué. Bien en jambe, hein, numéro 10, Olivier Serin. Et quelle protection sur ce ballon de Kenny Fortuné. Il a fait une bonne protection.
Et la passe était ambitieuse parce qu'une passe entre trois joueurs. Et Gaël, attention, on pourrait dire que c'est un coup franc pas dangereux, mais quand on a Rudy Vuitton en face. Et on sait qu'il peut en mettre des buts comme ça. Ah là là, à cette position, qu'est-ce qui se passe avec Tejou? On va peut-être voir malheureusement à l'opposé, Fred Tejou qui vient de faire appel au kiné. Peut-être, on l'a vu tout à l'heure, pas très bien sur le pénalty qu'il avait repoussé. Et le kiné qui intervient. Ok, c'est dès qu'on presse haut, je vois qu'il partage son opinion que Merval à lui tout seul ne peut pas tenir cette équipe. Dès qu'on le presse haut, il panique. C'est à voir, parce que je suis en train de refaire les premières 30 minutes dans ma tête. Et bon, c'est un terme, je sais même pas comment le dire en français, network passes. En fait, la circulation du ballon ou le circuit du ballon sur leur jeu tactique. Donc, ils commencent sur un jeu de possession très ancré sur la défense. Et ensuite, ils essaient de toucher au maximum Salazar. Et une fois que Salazar est touché, Salazar transforme cette touche en jeu long et qui crée un danger. Donc au niveau pressing haut, la Gauloise n'a pas encore forcément effectué ce pressing haut. Donc mais c'est mon avis. Et donc petit arrêt de jeu. Fred Tejou qui vient de se faire soigner. Donc Vuitton avait mis un but comme ça qu'avait fait Tour de la France, récupéré par Téléfoot. C'était contre Phare, si je me trompe guère. USBM Phare. Où il avait vraiment frappé un boulet de canon. Maintenant, a-t-il les jambes, a-t-il la forme? Il a l'air déterminé. Il a l'air déterminé, au moins pour toucher le cadre. Et attention, elle était bien pas mauvaise, mais c'est son premier coup franc dans la rencontre. Jamais évident pour un gardien de but en face quand on a un tireur tel que Rudy Vuitton. Le ballon qui retombe mais pas assez fort pour après la vigilance de Bonnardet, le gardien de la solidarité scolaire. Et donc là, on arrive à la demi-heure de jeu. Ah ok, donc je comprends mieux. Je comprends mieux Joël. Je n'ai pas eu l'opportunité de voir tous leurs matchs. On en a filmé quelques-uns. Donc voilà. Ok. Message reçu. Bonsoir, les buteurs sont William Willian. Les buteurs sont Nicolas. Alors, les buteurs, 13e minute, Raphaël Mirval sur un penalty que Fred Tejou avait repoussé. Et à la 22e, Kenny Fortuné, magnifique but suite à une passe de son frère Wendy. Rappelé aussi, hein, la sortie à la 20e de Casimir, remplacé par Corissac, le numéro 14. Voilà les faits de jeu majeurs de cette première demi-heure. Attention, bon ballon pour Saint-Maximin. Personne. C'est une grosse faute. Et c'est Gustave Diduflo. Je pense que l'arbitre va peut-être mettre. La main à la poche, Gustave Diduflo, pour rappel, hein, qui joue en défense centrale ce soir. Vu l'absence de Torrent, un titulaire habituel. Et c'est Saint-Maximin, le numéro 6 de la SS, qui est au sol. Et là, Gaël,
C'est un excellent Merval. Coup franc. Ça va être qui pour Bichara ou Mirvaz ou... Donc n'oubliez pas, comme je vous ai dit, de partager le direct au maximum sur vos groupes où vous faites partie. Donc, on va peut-être faire un petit retour, hein, Gaël, sur la Coupe de France qui a lieu cette semaine en Guadeloupe. Et d'ailleurs, c'est les deux équipes qui sont ce soir ne sont plus présentes en Coupe de France. Donc pour le sixième tour, on aura le stade Lamantinois qui sera opposé à l'USR. Et dans l'autre poule, le Phare qui va affronter le CSM. Sixième tour de Coupe de France. Que des équipes de R1. Quatre équipes de R1 pour aller le plus loin possible. Et représenter au 8e tour la Guadeloupe. C'est pas Raphaël Mirval, hein, Gaël, qui va tirer. Il est en train d'embêter Fred Tejou. Il doit blaguer avec lui, à mon avis. Et c'est Salazar, le capitaine et numéro 10 de la SS. Joueur argentin, pour rappel. Bonsoir à toi, hein, Willem. Et bonsoir à Albert Anatole, hein, qui nous rejoint. Christian Salazar, c'est tiré. Attention, c'est boxé. Boxé par Fred Tejou. C'est pas terminé, il remet dans le paquet. Et attention. Il y a Ron Atlan. Et il élimine et c'est but. Attention. Et le staff, les joueurs de la Gauloise se plaignent d'un hors-jeu. Y a-t-il hors-jeu? Y a-t-il hors-jeu? Attention. Non, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Et... la défense de la Gauloise qui traîne. Et c'est Yaron Atlan, hein, qui marque 35e minute. Il n'y a pas de hors-jeu, ça a été bien tiré, bien joué, avec une certaine patience. Très très bon arbitrage, hein. C'est important de le signaler, Gaël, de M. Antoine et de ses deux assistants. La défense de la Gauloise qui met beaucoup trop de temps à ressortir, et Yaron Atlan qui réussit à maîtriser le ballon. On pense qu'il va frapper dans un premier temps, fin de frappe, il élimine et il bat et joue. 35e minute de jeu, 2 buts à 1. Désolé, hein, on rappelle qu'on n'a pas la possibilité de vous mettre de ralenti. Par contre, on vous assure qu'il n'y a pas de hors-jeu sur cette action. Nous, on a eu la possibilité d'en avoir un et un seul. Bonsoir à Franck Turcel. N'hésitez pas, il reste moins de 10 minutes dans cette première mi-temps. Partagez le direct, vous êtes de plus en plus nombreux avec nous pour assister à ce grand match de la poule A, la SS qui est en train de mener 2-1 face à la Gauloise. Gauloise qui est jusqu'à présent vaincue en championnat. Et donc bonsoir à toi Damien Hubert, buteur pour la SS, Raphaël Mirval à la 13e, Johan Atlan à la 35e et c'était Wendy Fortuné. Qui avait passé le ballon à son frère Kenny, donc Kenny qui avait marqué pour la Gauloise à la 22e. Voilà. Attention. La déviation, ouais. les frères Fortuné qui se trouvent assez facilement. Là, c'était une belle déviation de Kenny pour son frère Wendy. Attention. Attention, il y a Ron Atlan qui prise de ballon en course. Qu'est-ce que c'est bien joué.
Mirval et Dessy. Il y a un Atlant qui essaye d'éliminer et c'est bien défendu. Bien défendu. Bonne défense de Rania. Nicolas, que penses-tu de ce numéro? Le numéro 14, comment il s'appelle encore? De la Gauloise qui est rentré, Brissac. Brissac rentré en tant que milieu récupérateur, je veux dire. C'est du poste pour poste, hein, avec. Et pour l'instant. À la place de Casimir, pour l'instant, on voit. Pas grand-chose. On le voit pas beaucoup. Hein. Il reste bien en place. Attention, là c'est une récupération de la SS et ça va vite. Et ça va vite. Et voilà, justement, et on a parlé de lui. Qui revient, et qui revient. Là, pour le coup, c'est très bien défendu. Voilà, il fait son job. Pour le coup. Pas très académique, mais. Et voilà, Rudy Vuto qui n'est pas content. Pour lui, il n'a pas fait faute sur Yaron Atlan. Beau duel. Donc, coup franc intéressant hein, pour la SS à noter Gaël. Plus le match avance, plus Yaron Atlan, le numéro 5, est présent. Voilà, il commence. Il avec commence son pied droit, voilà. Côté gauche. Il prend ses marques et il commence à s'imposer. Et là, on entend. Ah, après, il demande à sa défense de jouer bien haut. Yaron Atlan. Attention, il a passé direct. Et non, Fred joue bien vigilant, qui accompagne le ballon au-dessus de la barre. 39e minute, 2-1 pour la SS. Et Stratéjou qui allonge, il a l'air d'aller mieux. Et voilà, Romain Linon, très bonne défense. Attention, il va toucher le ballon, il passe par son gardien, Bonnardet. Il a redemandé le ballon. Romain Linon qui appelle, qui reçoit le ballon. Une communication sereine. Et je cours au sol pour l'essai. Attention. Et le ballon. Attention, c'est pas terminé. Il décide de tirer. Ouh là 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 là. Frappe audacieuse hein, de Wendy Fortuné. Il la frappe par bien. Et attention à l'ASS. C'est perte de balle proche du but. Et on sent. Hein. On sent à l'ASS Gaël malgré le fait qu'il mène. Des propos sur le terrain, le capitaine Salazar qui doit recadrer Yaron Atlan qui se plaint de cette perte de balle proche du but. Tension hein, au sein de l'ASS suite à cette action. Et c'est Saint-Maximin qui récupère Thomas Pinault. Qui décide d'allonger. Qui Gustave Duflo. Voilà. Tejou qui demande à ses joueurs de mettre le ballon au sol. Les frères fortunés. Et attention. Salazar qui. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué dans un petit périmètre. Il arrive à trouver Cancel. Cancel pour Cellini, Salazar. Et voilà. C'est un ballon perdu. Peut-être à l'opposé. Attention, Vuteau. Vuteau. Et le ballon est touché. Très bonne défense hein, de Thomas Pinault. Il y aura un Atlan. Brissac qui fait le pressing. Et voilà, il retourne. Et c'est un bon ballon. Gustave Duflo là qui est pris. Attention à l'opposé, Raphaël Mirval. Il décide d'aller seul. Sur son pied gauche. Il a décidé d'aller seul. Il avait l'option de passer à Serein, si je me trompe bien, le numéro 10. Qui était disponible. Il avait l'option de passer au numéro. C'était Damasagis. C'était Damasagis, désolé, de 15. Damasagis. Et il a décidé de faire autrement avec son beau passement de jambes. Bonsoir à Thomas Gaïdou hein, qui nous rejoint, joueur de l'ASS. Thomas qui aurait aimé, je pense, être sur le terrain. Bonsoir au milieu de terrain, excellent joueur du CSM, Willis Francillon. Willis qui jouera demain contre le club sport. Et attention, Fortuné opposé. Et il est pris. Duel de numéro 7 et remporté par Romain Linon. Très bonne défense.
Justement, Willis, je pense que les joueurs du CSM ont offert leur cadeau d'anniversaire en avance à leur entraîneur en remportant ce match de Coupe de France. Et si je me trompe guère, l'un des joueurs du CSM a été flashé à 26 km/h. Une super performance qu'il a effectuée du nom de Morgan, qui était équipé de son GPS. Il a parcouru plus de 10 km pendant tout le match. Il faut savoir qu'en moyenne, un joueur pro parcourt aussi environ 10 km à 10 km 5 par match. Allons directement en touche. On joue les dernières minutes de cette première mi-temps. 43e minute, 2 buts à 1 pour la SS. Attention. Et c'est un bon ballon de Olivier Sera pour Rudy Vuto. On aurait pu penser qu'il allait soit rentrer, pénétrer dans la surface, voir un centre. Et là, la frappe, elle est mal jouée, hein, Gaël. Surtout en sachant qu'il a la capacité d'effacer un joueur, d'éliminer un joueur. Et il a décidé de faire autrement. Donc, Donc en attendant, il n'y a pas de changement au niveau. Donc comme le disait Gaël, pas de changement au niveau de l'ASS et vous allez pouvoir regarder la composition. Un petit snapshot sur la composition de départ. Changement de Brissac à la place de Casimir, poste pour poste. Et revenons au direct. Et attention. Voilà, il est en confiance. Véron Atlant qui rentre dans la surface. On pense qu'il est centré. La frustration de Mirval. Quelle action de Yaron Atlan. Et Raphaël Mirval, c'est surprenant qui loupe l'occasion de faire le break pour son équipe. Et voilà. Le premier carton. Jaune, si je me trompe, Nicolas Barenton. Le numéro 15, et donc Damas. Damas Agis. Et voilà, premier carton pour la SS. Attention. Il y a eu pas mal d'arrêts de jeu sur cette première mi-temps. Ouais. Différentes blessures, le pénalty qui a mis du temps. On peut supposer qu'il y aura du temps additionnel. Attention. Nous sommes déjà à 1 minute 30. Pour l'instant, il n'a pas. Bonardé n'a pas été très inquiété. Sur le but encaissé par la. Quel dégagement, par contre. Ouais, magnifique. Et attention. Dégagement très, très haut. Très lointain, qui arrive presque dans la surface de Fred Péjou. Et voilà, c'est bien joué. Il y a Saint-Maximin. Maximin, il conserve, il réussit à conserver. Attends, et voilà, et il réussit. Il s'en tire bien. Il s'en tire très bien sur cette action. Et en tout cas, c'est vrai que le dégagement sur cette action de Bonardé est vraiment impressionnant. C'est intéressant de le revoir par la suite. Damas Agis qui trouve son capitaine Salazar. Et Mirval. Attention, il a été. Là, on voit qu'il y va pour tenir la faute. Il se blesse peut-être, mais
obtenir la faute. Bonsoir à Jorge Santos. Félicitations à toi encore, Jorge, pour la qualification avec l'USR au 6e tour de Coupe de France. L'USR qui sera au repos ce week-end et qui jouera un match décalé mercredi contre le Phare pour un choc dans le dessert de Coupe B. Bonjour, El Maestro Pascal Silvestre. Et attention. Et donc, ce sera 3 minutes. Il y aura 3 minutes. Et mi-temps, voilà. 2-1 pour la SS face à la Gauloise. Et donc, on se retrouve dans 15 minutes pour cette deuxième mi-temps. Dans 15 minutes, restez connectés avec nous. Vous avez des questions, vous avez des avis, vous avez des choses que vous voulez partager avec nous sur le foot ou sur autre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Carré Sport, 100% local, localement fier. Et bien, on se dit rendez-vous dans 15 minutes. Première minute d'arrêt de jeu, donc vous voyez, l'info est toujours disponible. N'oubliez pas aussi que le magazine Carré Sport est disponible de manière électronique. Nous allons recevoir des versions papier d'ici une semaine et demie. Vous pourrez vous procurer ces magazines dans des points de vente que nous sommes en train de faire. D'autres choses aussi, n'hésitez pas.
Ton gars, je pense qu'il a fait une école. T'as pas une nouvelle? T'es à Capesterre? Non, je crois qu'il est resté chez lui. C'est lui pour lui, honnêtement. Retour à Bemao pour cette début de cette deuxième mi-temps. Et donc, pas de changement à signaler dans les deux équipes. Changement de positionnement, Gaël, hein, pour la Gauloise et notamment Rudy Vuto qui est passé sur la gauche de l'attaque. Ouais. Et qui a donc permuté avec Wendy Fortuné, la Gauloise qui obtient d'entrée un coup franc très intéressant. Au bout de 20 bonnes secondes de jeu. On sait que le coach Rodiment a dû recadrer son équipe pour trouver des solutions, pour être plus performant sur cette deuxième mi-temps. Ils en ont besoin, s'ils veulent revenir dans ce match. On a pu voir que le premier but est sorti d'un éclair sur une composition assez rapide de jeu. Depuis ça, ils essaient de temporiser le jeu au maximum, mais sans pour autant ramener des résultats à la maison. Et donc c'est un coup franc sur la droite, hein, qui sera tiré par Rudy Vuto, les joueurs de l'SS, hein, qui composent un mur de trois joueurs. Monsieur Antoine qui les fait reculer. De nombreux joueurs de la Gauloise vont partir. Attention à Brissac qui est rentré, numéro 14. Et attention, c'est dégagé par l'SS. C'est pas terminé, il essaie de tirer, il tire dans le paquet et ça ne crée aucun danger. Voilà. On entend les encouragements de Jean-Yves Vadimont qui incite ses joueurs à aller de l'avant. Et voilà, donc relance court pour Bonnardet, pour le numéro 7, Romain Lunon. Voilà. Qui joue avec Saint-Maximin, Thomas Pinault. Et voilà, regardez le déplacement du numéro 10, qui se retrouve disponible et a refusé d'aller au contact. Et ben, il y a Ron Atlan qui subit de nombreuses fautes, hein, Gaël, ce soir sur son côté gauche. Il y a Ron Atlan, pour rappel, hein, qui a permis à la SS de revenir et de mener 2 buts à 1. Qu'est-ce que c'est de jouer Raphaël Mirval ? Attention ! Et c'est Cansa qui perd le ballon. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un changement aussi, hein, au niveau de la SS. Cansa qui joue plus dans une position axiale, Gaël, en soutien de Raphaël Mirval. Et c'est Damas Sagis qui a pris le côté droit, permutation dans cette attaque de la solidarité scolaire. Et là, c'est une faute, hein, sur Kelly Fortuné, faute de Romain Mignon. Et c'est le capitaine de la Gauloise, Gaucher, qui va se charger de ce coup franc, mais directement, hein, sur le gardien, Bonnardet. Qui est saisi facilement du ballon. Ouais.
Eliani, non. L'arbitre qui l'a joué hier en Atlant. Quel bon ballon pour Damasagis, ça contre un, il lobe. C'est les obès. Oh, ça passe juste à côté. Qu'est-ce que c'est bien joué. Oh, Kevin. Mr. Tejou était battu. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et Gaël, il est important. Parce que nous, on voit. C'est ce que j'ai tenté. Les images sont magnifiques. Mais il est important de préciser à nos internautes, Gaël, l'arrivée de... L'appui. Eh oui, j'étais sûr de pouvoir le dire. Et Nicolas m'a spoté, comme on dit. Il a senti le moment aller venir. Et oui, eh bien, il pleut. Il commence à pleuvoir. Donc, encore une fois, ce sont des paramètres qui impactent le jeu. Et ça n'a pas l'air de vouloir se calmer. Est-ce que ça va jouer à l'avantage de la SS ou ça va aider ces Gaulois à trouver le chemin défilé? Et attention. C'est vrai qu'on avait eu du vent en début de match, le vent qui n'est plus présent. Oh ! Il y a une faute. Hein. Faute importante sur Olivier Serin, Thomas Pinault qui, qui se relève immédiatement. Que se passe-t-il ? L'arbitre qui demande aux joueurs de la SS de s'éloigner et ça sera un coup franc un peu comme un corner hein, sur ce côté droit. Olivier Serin apparemment qui se relève. Beaucoup de fautes aussi sur Olivier ce soir, les joueurs qui s'expliquent et l'arbitre qui appelle. Hein. J'ai l'impression Thomas Pinault. Est-ce qu'il s'est levé d'une rapidité Il appelle même les deux joueurs. Ouais. Il appelle les deux joueurs. Ouais, il leur demande de se calmer, monsieur Antoine. Donc on voit qu'il y a beaucoup de supporters de la SS en train de suivre ce match chez nous. Donc merci à vous. Donc comment vivez-vous ce match une victoire plausible ou pas? Il reste encore beaucoup de temps pour se prononcer, mais vous, en tant que supporter, comment vivez-vous ce match avec nos Soccer Espoirs? Attention! Tuné, coup franc tiré assez haut, peut-être pour mieux commencer. C'est pas fini! Oh! L'arbitre qui l'a joué, et finalement il revient à la faute. Faute numéro 11. Et oui, grosse faute de Verdol sur Yaron Atlan, encore une fois. Yaron qui trouve le décalage et qui n'a plus le ballon, qui est déséquilibré. Il a effectué un superbe geste technique pour justement éliminer ce joueur. Mais ce numéro 11 de Verdol a été suffisamment intelligent pour jouer le mur comme au basket. Comme on dit faire le bloc, il est resté immobile et le joueur s'est heurté à lui. Et donc, arrêt du jeu et du coup, le match hein, qui, forcément, il y aura du temps additionnel. La SS hein, qui mène 52e minute, qui mène toujours donc 2 buts à 1, score qui était déjà celui-là à la mi-temps. Donc n'oubliez pas, et ben l'appui s'est passé du Fifiné en créole à la plique à tomber en créole. Donc maintenant vous pouvez voir directement sur les images que le volume de pluie a augmenté au niveau de la tombée. Et c'est malheureusement une mauvaise nouvelle, hein, Gaël, parce que il va y avoir le changement, j'ai l'impression. Le numéro 12, Antoine Joblet, qui est. Qui risque de faire sa rentrée, la civière est demandée.
Mauvaise nouvelle pour ce joueur qui a été assez décisif et qui a joué un rôle important dans cette première mi-temps. J'ai même envie de dire, regarde, c'est un des joueurs les plus décisifs. Il faut se rappeler aussi que sur cette action magnifique où il dépose le ballon sur la tête de Raphaël Mirval, ouais, il aurait pu être auteur d'un but et d'une passe décisive. Yaron qui apporte énormément à son équipe. Est-ce que là, il s'est relevé, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est lui qui va sortir? On va le savoir dans quelques secondes. Moment important du match. Et donc, rentrée du numéro 12, 55e minute, Antoine Joblet. Et c'est malheureusement attention, une blessure pour Yaron Atlan. Et Salazar pour Raphaël Mirval qui efface Fred Tejou, qui remet. Et c'est à côté. Encore une c'est fois, un vrai renard de surface. Salazar, Mirval qui centre et ça passe à côté. Énorme occasion pour la SS, mais la SS Gaël qui ne fait pas le break. Non. Ça fait plusieurs fois, on parlait de cette occasion tout à l'heure de Raphaël de la tête. Là, c'était encore une situation importante pour eux. Attention, quand on connaît la qualité offensive de la Gauloise. Il faut les mettre ces buts. Pour éviter des déceptions. Et c'est Fred Tejou, hein, aussi mettre qui va chercher Rudy Vuto. Rudy qui trouve la déviation. Pressing de Wendy Fortuné. Mais c'est pas. Oh! Attention. Et donc, quand c'est un qui. De conservation et Antoine Joblet, hein, important de préciser qu'il s'est positionné à l'attaque de cette équipe de la solidarité scolaire avec Raphaël Mirval qui sont Salazar dans la conservation. Quel bon ballon pour Raphaël Mirval! Attention, ça va frapper et c'est l'arrêt de frapper du hors jeu! Hors jeu! Oh, monsieur l'arbitre! Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc Salazar qui avait le ballon, il a réussi à trouver Raphaël Mirval. Raphaël Mirval qui a frappé et non en fait, parti dans le dos de la défense. Mais c'est Cancel, c'est Cancel Gall qui. Qui marque le but. Ça ne sent pas. Frappe de Raphaël Mirval et encore un énorme travail au départ sur cette action du capitaine, hein, de la SS. L'Argentin Salazar. Ouais. Conservation du ballon, passe vers l'avant. Quel joueur! Donc la solidarité est presque en train de faire un sans faute. Mathieu Philémon dit qu'il y a du cinéma. Cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mathieu? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Cinéma, la blessure
de Fred Tejou. Sachant que pour ton information, hein, il a été blessé en première mi-temps. Et donc là, l'ASS qui on parlait tout à l'heure, hein, Gaël, qui n'arrivait pas à faire le break, et c'est fait grâce à son numéro 13, Cancel. Encore une fois, Raphaël Mirval présent hein, sur cette action. Une frappe est bien suivie. Et toutes mes excuses parce que j'ai parlé d'un hors-jeu et effectivement, il n'y avait pas de hors-jeu sur cette action. Très bon arbitrage du corps arbitral. Le joueur qui est parti à la limite au moment de la frappe de Raphaël dans le dos de la défense. Et à bout portant, il a pu crucifier Fred Tejou. J'espère va se relever. Nicolas R, j'avais vu clair. Alors, c'est vrai qu'on avait discuté avec Malissa dans la journée et elle m'avait pronostiqué une victoire de la SS, mais j'ai envie de te dire, Malissa, il reste une demi-heure, Malissa, de bonheur avec Gaël, avec moi, peut-être même 35 minutes. Voilà. Bonsoir à Aline. Bonsoir à la cousine, j'espère que tu vas bien. Donc oui, on profite de ce moment avec tout le monde pour partager ce direct. Et comme je vous ai dit, le niveau de pluie, donc je vais mettre la caméra au niveau des projecteurs. Vous pouvez voir que le niveau de pluie a augmenté, même sur les chutes, sur le terrain. La piste d'athlétisme. Et bonsoir, hein, Joachim Rodriguez, et au nom de Caribe Sport, même si c'est pas aujourd'hui, c'était son anniversaire cette semaine, l'excellent milieu offensif de l'AS Gosier, hein, qui salue la passe de son compatriote Salazar. Bonsoir à toi Joachim et happy birthday. Qui va devenir assez gras. Ouais. Condition difficile de jeu. Attention. Qu'est-ce que c'est bien joué, Cancel Damastagis. Oh là là. Quelle passe encore. Attention. Oh. Oh, bien joué. Oh, c'est bien joué. Wendy Fortuné. Donc le décalage pour Brissac. Brissac qui cherche Vuto. Pour Vuto, c'est bien joué de la part de Brissac. Vuto, première intention. Oh Wendy et le gardien qui se saisit du ballon. Bonnardet qui, je le rappelle, remplace ce soir Bichara. Bichara qui est présent sur le banc des remplaçants. Et bon ballon. Raphaël Mirval qui est passé 2 contre 2. Il y a un bon coup à jouer à l'opposé. Il fixe, il donne. Et malheureusement, le ballon est un peu trop profond peut-être pour Cancel. C'est pas terminé. Raphaël est toujours en soutien. Le ballon qui revient sur lui. Raphaël Mirval. Trois joueurs autour de lui. Il arrive. Et voilà, récupération. Et ballon long. Wendy Fortuné. Quel bon ballon pour Sofar Kelly. Le gardien qui a fait un risque énorme. En plus, avec ce temps-là. Et c'est payant pour lui. C'est pas fini. Brissac. Il fixe, Miché, et voilà, le terrain. Donc, Malissa, je ne sais pas si j'ai des problèmes, mais Malissa a décrété que Gaël, tu as des soucis. Donc, on m'a déjà dit beaucoup de choses. Gaël, tu as des soucis, fait partie de ces beaucoup de choses. Et Christophe Bézière, bonsoir à toi, coach de Lunar, qui, je suppose, prépare. Le choc de mercredi prochain en R2 face à la Juvenis. Attention à ce beau ballon. Zinon. Et c'est Olivier Serin qui est passé, duel de numéro 10. Une belle couverture. Quel beau ballon pour et Vuto. Et il perd les appuis. Et c'est vrai que on pensait que Tony Vuto allait pouvoir armer. Et voilà, ça commence à glisser. Beaucoup de joueurs qui perdent les appuis.
Cellini pour son capitaine, sans pression. Communication, et bien joué. Il a réussi à s'en sortir, c'est pas terminé. Attention, ça va voilà, Raphaël qui a fait l'appel. Et non, c'est pas fini. Et Kouamé s'en sort bien. Pour Brissac, on le voit plus, hein, Gaël Brissac, hein, oui. Sur ce deuxième mi-temps. Et une belle récupération du capitaine. Et voilà. Et voilà. Et c'est un ballon perdu, bien récupéré par Raphaël Mirval. Phase de conservation maintenant pour la SS. Et il réussit à passer Mirval. Et toujours en possession de balle, et voilà. Et dans le tas. Petit tas, mais dans Aile, le ballon n'est pas sorti. C'est Joblet. Il va éliminer le joueur. Et voilà. Bouto qui récupère. Attention, le ballon long. On se connaît la rapidité de. On connaît. Voilà, c'est parti. C'est parti, mais Pino est rapide aussi. Et. Quelle vitesse, Gaël, chez ce joueur, il serait intéressant de lui mettre un GPS. Oui. Hein, j'y ai pensé tout de suite quand j'ai vu cette pointe, je me suis dit, ça va. J'aurais bien aimé voir à combien qu'ils auraient été flashés. Et donc c'est un bon coup franc, hein, pour Wandy, Fortuné. Rien n'est fait dans ce match. La pluie qui est toujours bien présente et qui rend ce match difficile. Attention. Et voilà. Il y a Ron Atlan qui intègre la tribune apparemment. Il a l'air d'aller mieux. C'est une bonne nouvelle pour la SS. Sur Salazar qui perd le ballon, c'est assez rare. Brissac, Miché qui décale Rudy Vuto devant le but. La Gauloise qui occupe le camp de la SS. Attention, ça peut aller vite. Brissac qui s'impose physiquement. Qui est mécontent, il pensait obtenir une faute, mais monsieur Antoine en a décidé autrement. Ah, on parlait de ce petit souci à la gorge. Oui, parce qu'avec le masque. Ça, qu'on commente, on est obligé de respecter les mesures et de commenter avec ce masque commence un peu à. Bouffimon. Beaucoup d'intensité, hein. Même quand le balanceur l'a touché rapidement. Grosse faute de Brissac. Il a glissé au départ, mais l'impact était présent. Bonsoir Nicolas, match très, très rythmé de Marcus Moïsa. Bonsoir au coach Marcus Moïsa de Marcelin de la JSF. Effectivement, beaucoup de rythme. Deux équipes qui mettent énormément d'intensité. Et pour parler de la JSF, c'est un choc. Hein. Le derby du Gosier ce week-end à JSF Madiana sur le terrain dimanche de Saint-François dans cette régionale de Poule B.
la JSF qui avait gagné son premier derby face à l'AS Dragon, 1-0. Et voilà, Fred Tejou qui va se saisir du ballon devant son compatriote de sélection, Raph Nerval. Saint-Maximin, c'est bien joué. On le voit beaucoup plus hein, sur cette deuxième mi-temps, Cancel. Et en plus, il a été récompensé par un but. Quel joueur, ce Salazar. Même sous pression, il trouve des décalages. Et Fred Tejou qui se saisit tranquillement du ballon et qui décide de relancer à la main pour Olivier Serin. Et qui a réussi à se retourner, mais qui a succombé au pressing de Salazar. Serin à nouveau. Et attention. Qui essaye de trouver Vouto à l'opposé, mais il joue entre les deux. Bonne défense de Rudy Vouto. Oh, il y va. Brissac pour Kenny Fortuné. Qui revient. Bonne récupération. Qui récupère le ballon et attention. Olivier Serin. Verdol pour Renia qu'on voit pas beaucoup. Très peu même. Attention, Salazar. C'est bien donné. Pas d'hors-jeu. Que va-t-il se passer? Va-t-il terminer? Attention. Et quel arrêt? Arrêt de Fred Tejou sur ce 1 contre 1. Raph Nerval qui a trouvé le décalage. Quelle passe! Elle est parfaite cette passe. Et c'était le général gauche, hein, Marie-Joseph, il me semble, qui s'est retrouvé en position de 1 contre 1 face à Tejou. Donc rappelons les buteurs, Nicolas. Alors, Raphaël Mirval à la 13e minute, penalty repoussé qu'il a mis dans un deuxième temps. Égalisation Kenny Fortuné à la 22e sur une passe de son frère Wendy, 35e Atlan. Johan, 2-1 à la mi-temps, et Corsel qui donne l'avantage à la 57e minute, le break du 3-1. Et c'est un carton jaune maintenant pour Kouamé. La pluie qui est toujours présente, hein, Gaël. Et oui, et Joël qui venait de dire que justement les arbitres ils ont oublié son carton, et ben preuve que non, puisqu'il vient de sortir pour Mr. Kouamé. On voit Steve Dessert qui est en train de s'échauffer. Et attention à ce coup franc, le positionnement des joueurs. Et attention à l'évaluation de Saint-Maximin. Faute signée par M. Antoine. Il a tout contre le ballon. Bonne défense de la SS. Et attention, le beau ballon. Et non, c'est Thomas Pinot, Gustave Duflo à la tête pour Olivier Serin. Et il essaie encore. Thomas Pinot qui relance et c'est perdu. Beaucoup de déchets là. Attention, Olivier Serin sur la droite. Olivier Serin, quel beau ballon. Et c'est une bonne défense. Il est contré, Brissac. Et c'est pas fini. Quelle frappe! Oh là 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 là! Quel arrêt! Quel arrêt, mais les joueurs qui se plaignent d'une main. Hein. Ballon apparemment contré par la main du numéro 7, Romain Minon. Et c'est un magnifique arrêt, en tout cas, de Bonnardet, Gaël. Oui. Quel coup de canon de Brissac.
et la Gauloise qui repart à nouveau serein. Ce Brissac qui est la révélation de cette deuxième mi-temps pour la Gauloise, en sachant qu'en première mi-temps, lors de son entrée, il a eu très peu d'impact sur le jeu, mais sur cette deuxième mi-temps, comme vous pouvez vous rendre compte, on entend beaucoup parler de son nom. Brissac qui touche ici, Brissac par là. Et attention. Oh, ce n'est pas très. Sachant que ils sont menés au score, Dufo décide de dégager le ballon. Il reste un quart d'heure de jeu, rien n'est joué ici à Bemao. Et donc dans le quart d'heure en général, qu'est-ce qu'on fait à nos 151 internautes connectés? Il nous reste 15 minutes. Je profite, hein, Gaël, pour excuse-moi de te couper, passer un grand bonsoir à un ami, Marc Arbo. Tout le monde le surnomme Falcao. Un très très grand buteur qui a notamment été champion avec les Saints en 2012. Et Hendrik Valera ne s'est pas trompé. Falcao, Marc Arbo. Il dit allez Gauloise. Et c'est Steve Désert, hein, Gaël, qui va faire son entrée en jeu dans quelques secondes. Et attention. Ballon juste à vue du Flo qui accroche Raphaël Mirval mais qui garde la maîtrise du ballon. Quel bon ballon de Raphaël. Cancel, toujours Damasagis, ça joue bien du côté de la SS et il perd le ballon. Regna qui le récupère. Non, Aline, pour l'instant le direct n'est pas sur YouTube. Pas pour l'instant donc. Et c'est un bon ballon pour bien joué par Joblet. Joblet qui essaye de trouver. Cancel, perte de balle et c'est maintenant ballon dans les pieds de Brissac. Attention, Rudy Vuto peut-être. Et le ballon est mal donné et c'est bien accompagné tranquillement en 6 mètres par Bonnardet. Il est important de rappeler, hein, Gaël, par rapport à ce fonctionnement de championnat, que c'est un résultat qui peut compter lourd pour la première phase, mais aussi pour la deuxième phase, hein, pour les playoffs, parce qu'on peut supposer, Gaël, que ce soit la Gauloise ou la SS, soit dans les quatre premiers de cette poule A. Et donc, du coup, ce serait un excellent résultat à coup double pour la solidarité scolaire. Tout à fait, puisqu'on a tant cette phase 2 qui va être intéressante, puisqu'à chaque fois, on se pose la question. Les journées avancent petit à petit, semaine après semaine, et les quatre commencent à se dessiner. Oh, bien joué. Et donc Steve Désert, hein, qui a remplacé Damasagis, le numéro 15. Steve qui se positionne au milieu de terrain. Et attention. Brissac. Sans de la frustration au niveau de Rudy Vuto qui réclame le ballon mais qui ne touche guère le ballon. Et donc c'est changement aussi du côté de la Gauloise. Dans quelques minutes, touche en tout cas de Vité. C'est bien joué. Quel bon ballon pour. Non, mal exploité. Déviation de Kenny Fortuné de la tête pour. Rudy Vuto, et c'est un 6 mètres. Et donc Verdol qui va. Verdol qui va sortir, remplacé par Babel Mathias de son prénom. Très fort Mirval, encore une fois. Message de William Willen. Effectivement, sur le match, c'est lui qui provoque le penalty, c'est lui qui le loupe mais qui le marque.
Et il est présent sur le troisième but, frappe repoussée et mise par Cancel. Et puis des décalages, une présence. Et voilà, Olivier Sorin, qu'est-ce que c'est bien joué. Décalage pour Michel. Ballon. Malgré le score, là, on sent là le gardien qui reprend. Attention, capitaine, attention. Bon ballon, attention. Fortuné. Et ça passe à côté. Et attention, il y a un joueur de la SS qui se tient la tête. L'arbitre qui demande urgemment l'appel des soigneurs. Peut-être. Et voilà donc, petit temps mort à la 85e minute. Les joueurs de l'SS, Christian Salazar, Raphaël Mirval qui en profitent pour s'hydrater. C'est le moment de vous demander vos pronostics pour On aime ça sur Carib Sport. Y aura-t-il encore des buts? Score final? Un joueur qui va marquer, partagez avec nous. Partagez, n'hésitez pas, donc donnez vos pronostics. C'est le moment de vous exciter sur votre clavier. N'hésitez pas à partager avec nous. Donc, score inchangé, score pas inchangé. Quel est le prochain joueur qui va marquer? N'oubliez pas d'appuyer les likes jusqu'à fatiguer. Donc, on revient doucement sur le direct. Donc, comme je vous ai dit, il y a le magazine aussi qui est bientôt disponible. Et donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous en direct sur la page pour faire l'acquisition. Quelqu'un a dit 4-2 avec 9 minutes de jeu. Et attention, est-ce que c'est le quatrième but? Et non. Tentative peut-être de lob de Raphaël Mirval et le joueur de la SS1. Cellini qui était blessé sur l'action précédente, qui sort et rentré de Adrien Césaire. 81e minute. Donc ils disent 4-2 pour la solidarité avec un but de Raphaël Mirval. On a le score 3-2. Il y a une tendance qui est en train de se pousser pour la Gauloise. La tendance aussi, elle se fait ressentir sur le jeu où ils pressent énormément pour essayer de créer des occasions de marquer un but. Après, peut-être Gaël, important de préciser, hein, la SS qui a joué en Coupe de France cette semaine, mardi, il y a seulement 3 jours, la Gauloise qui avait été éliminée, donc qui n'a pas joué. Il y aura peut-être, en termes de fraîcheur, une différence sur ces dernières minutes. Et oui, Nicolas, tu as entièrement raison, et c'est sûrement sur cet angle-là que les joueurs de la Gauloise devront pousser, voire même exploiter, pour essayer de se créer cette occasion du 3-2. C'est vrai que pour l'intérêt du match, ça serait intéressant de voir un but de la Gauloise, mais on est loin, et attention. Et dégagement de Tejo. Il va y avoir une erreur. Tejo. Vito qui continue. Qui va serrer le ballon, le pressing. Et voilà. Jamais évident à jouer quand on.
On est sur le terrain depuis 3-1, 3-2. Ballon. Très bon arbitrage aussi. Et Audrey Vanoukia qui attend le but de la route. Rudy Vuto, numéro 8. Brissac qui glisse et ballon récupéré peut-être par Steve Désert. Et merci Audrey pour ton commentaire sur Facebook concernant nos directs. Nous avons partagé les images de notre équipement principalement pour répondre à des questions. Parce qu'on est toujours chez Carisport, on est toujours dans un système de partage. On partage les informations au maximum. Et surtout, c'est de montrer à tous les bénévoles qui veulent nous aider qui n'a pas besoin d'avoir grand-chose pour justement donner un direct aux amoureux du football local. Donc merci à tous pour vos messages et nous continuons à vous donner les directs en qualité. Et attention, peut-être voici le quatrième but. Et il a décidé de jouer direct, c'est pas fini. Quelle belle construction au départ. Et encore Salazar Mirval. Et c'est un décalage pour Césaire. Il a retrouvé Vuto cette fois-ci. Va-t-il éliminer Lino? Il est passé. Bon retour de Salazar. Et c'est sur ce geste-là, Gaël. Romain Lino, je trouve qu'il se fait quand même éliminer assez rapidement. On en parlait tout à l'heure pour un défenseur central. Il ne doit pas se jeter, surtout face à Rudy Vuto. Et c'est loin d'être terminé. On est dans les 5 dernières minutes. Vous êtes de plus en plus nombreux avec nous. Que va-t-il se passer? Donnez-nous votre avis. Et en attendant, c'est Rudy Vuto qui va être au corner. De la gauche vers la droite, la pluie qui est encore bien présente. Et malheureusement, je pense que vu la tête de Cellini, le numéro 14, il a dû saigner. Ouais. Je pense. Une ouverture. Et donc Rudy Vuto qui lève la main, peut-être pour une combinaison pour la Gauloise. Et attention, sur le deuxième poteau pour Brissac, c'est remis. Brissac est... Bien joué, quel arrêt du gardien! C'est pas terminé. Quel arrêt du gardien! Il fait vraiment une bonne deuxième mi-temps. Tout à l'heure, Brissac lui avait envoyé un coup de canon. Et c'est un bon match hein, de la part de Bonnardet. On n'a pas vu beaucoup, voire pas du tout en première mi-temps. Et là, auteur d'une très très bonne deuxième mi-temps. Très rassurant pour son équipe. La SS qui se dirige vers une victoire. Et pour prendre la tête de cette poule A. Poule O notamment, hein, il est important de préciser, le terrain de Petit-Bourg est dans, avec les... Et sera en intempérie, donc Arsenal-Juventus n'aura pas lieu ce week-end. Tous les matchs prévus à Petit-Bourg n'auront pas lieu. C'est tombé dans la journée. Et donc forcément, très bonne opération pour la solidarité scolaire, si on en reste là. Et la S Gosé qui va vouloir poser les cartes face aux équipes derrière lui et enfoncer davantage le Stade Lamantinois qui est pour l'instant dernier en championnat mais ouais. Qui reste sur 3 qualifications d'affilée au tir au but. C'est quand même incroyable pour le stade. Et donc demain, vas-y Nicolas. Si je disais c'est pas fini, faut que Téjou qui cherche Miché. Attention. Bon, de la défense, attention. Et Bonnardet. Quelle bonne intervention. Et donc Gaël qui allait nous parler du programme de demain. Oui, tout à fait. Donc demain, le match qui va être intéressant dans l'après-midi, ça va être Stade S Gosier, mais il y a aussi Club Sport CSM. Et donc ça va être au niveau de la poule. Attention. Et, pris le mauvais choix, c'est pas terminé.
ouverture de balle de ce Saint-Maximin. Et pour la poule B, donc concernant cette poule B, USBM Racine, Restar Jeunesse et Dynamo Serfa. Ce sont tous des matchs nocturnes dans cette poule B. Et donc dans cette poule B, je le disais tout à l'heure, l'USR et le Phare qui s'affronteront mercredi. Attention. C'est Césaire. Bonne défense. C'est loin d'être fini. 89e minute. On attend le temps additionnel. À l'instant qui va tomber. Le délégué va nous informer, mais en attendant, c'est une touche pour la SS et c'est Cancel. Très très bon dans cette deuxième mi-temps. Qui essaie de trouver Joblet, c'est Fred Tejou hein, qui se saisit du ballon. Attention. Fred Tejou qui allonge pour Rudy Vuto. Le rebond va se récupérer. Et il est passé. Il est passé devant. Romain Linon qui concède la touche. C'est plutôt une bonne défense quand même. Pas évident. Très bon match. Vu les conditions, chapeau aux 22 acteurs et le trio arbitral. Quand c'est bon et beau, je le dis aussi. Message de Joël Noyon. Et voilà. Joël, toujours très objectif. Et je pense qu'il a complètement raison. C'est un match, vu les conditions, il y a quand même beaucoup d'intensité. On voit de. Ouais. On voit de belles choses, des beaux arrêts de gardien hein, des deux côtés, que ce soit Bonnardet ou Fred Tejou. Geste technique aussi des joueurs osent. Mais attention, des bijoux longs. Ce qui nous fait dire Gaël, que je pense que ce sera deux équipes qui seront dans le haut de tableau. Ouais. Mais. On n'est qu'à la quatrième journée. Important aussi de le rappeler, c'est que le troisième match de championnat pour la Gauloise. Et je pense qu'on peut déjà se prononcer un peu Gaël, mais ça sera, c'est un moment important. La Gauloise qui ne sera plus invincible. Ils voilà. avaient pour l'instant invaincu en championnat. Et ils vont tomber ce soir, Gaël, ouais. à Bemao, face à cette très belle équipe de la SS. Tout à fait. Donc. C'est intéressant de voir la réaction et les impressions du coach Jean-Yves Vazman, jusqu'à maintenant avec effectué son sans faute avec sa nouvelle équipe. À la SS, toujours on n'a plus de nouvelles on a des nouvelles de l'entraîneur principal ou pas. C'est Patrice Delorme qui est annoncé sur la feuille de match et c'est son adjoint qui est. Au bord du terrain. Et là, c'est perte de balle de Romain Linon. Les frères Fortunés, attention. Il joue pour son frère, il conserve Thomas le ballon. Pinot. Il conserve le ballon et il fait une talonnade. Il n'y a personne à l'appui. Serein demandait le ballon, mais c'est pas fini. Attention, il est Serein qui garde le ballon et qui la perd. Gustave Dilufou, attention, Raphaël Mirval à l'affût. On sent les joueurs de la Gauloise dépités, ils marchent beaucoup. Miché. Ils sont résignés, je pense. Oh, quelle bonne défense du capitaine. Oh, il conserve le ballon reste. Miché pour Désert. En jeu. Pas d'intimité avec Frédéric Tejou, Nicolas. Un petit rappel de Daniel Angor, c'est Frédéric Tejou et non Fred Tejou. Donc pas d'intimité sur Carisport, monsieur Nicolas. Merci Daniel Angor. J'essaierai de ne plus dire Fred Tejou. Pardon, Frédéric Tejou. Comme tu as pu le sentir dans mes commentaires, c'est vrai que
Fred n'est pas un joueur pour moi, c'est un ami, mais j'essaie de rester le plus objectif possible sur ses performances. Donc voilà, merci à toi en tout cas pour ce petit partage, ce petit clin d'œil. Daniel, j'espère que tu auras apprécié ce direct avec nous et on te retrouvera c'est un carton jaune. De Brissac, c'est dommage à ce moment-là du match, 94e minute. Bravo à vous aussi pour faire vivre des matchs à nous qui sont très loin avec des images magnifiques. Joyeux Noël. Donc bravo à vous aussi, internautes, de vous être connectés, d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé, d'avoir commenté, d'avoir échangé un maximum, parce que sans vous, ces directs auraient été limite inutiles. Puisque rappelons, le but d'un direct, c'est sur l'interaction. Et voilà. Et voilà, monsieur Antoine qui met fin à ce match. Victoire de la SS, 3 buts à 1. Mirval, 13e. Égalisation Kenny Fortuné, 22e. Johan Adlan, 35e. Et Cancel pour le 3-1 à la 57e. La SS qui prend la tête de ce championnat. Et voilà, merci à vous tous pour votre écoute, votre gentillesse, vos partages. Et on vous retrouve pas plus tard que demain pour d'autres matchs. Merci à toi, Gaël. Merci à toi, Nicolas. Donc, merci à vous de vous être connectés sur la page Carré Sport. Vous avez passé un moment avec Gaël de Carré Sport et Nicolas. Donc, en espérant que vous avez apprécié ce match en intensité des deux côtés. La Gauloise n'a pas eu froid aux yeux face au jeu de possession de la SS. La SS, ils ont été efficaces sur cette rencontre. La Gauloise, ils ont essayé de se retrouver à plusieurs reprises, mais ils ont eu des difficultés. Ils ont perdu un joueur clé sur une faute, sur une blessure, pardon. Et donc le match s'est déroulé comme vous avez pu le voir. Donc ça s'est terminé sur 3-1 et les joueurs de la SS sont satisfaits et contents. Avant de se déconnecter, quel joueur aimeriez-vous avoir en entretien? Vous avez exactement 30 secondes pour taper. Thank you.